à tous, on se retrouve pour une vidéo ouverture de colis avec en partenariat la boutique DP Clubs. Ils ont renouvelé la collaboration vers le 17 janvier à peu près et m'ont proposé de choisir à nouveau des produits dans leur boutique. Et ça m'a fait super plaisir parce que j'adore leur boutique. Ils m'ont proposé de choisir pour 20$, donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Je suis désolée, j'aurais la voix un petit peu cassée, j'ai pas mal toussé ces derniers temps. J'espère que ça se ressentira pas trop en vidéo. Alors je vais commencer tout de suite avec une toile pleine en 30x40. Alors attendez, ça s'ouvre. Il s'agit de la copine de Stitch. Je l'ai trouvée super belle quand je l'ai vue sur leur site. Alors, il y a 23 couleurs. On va tout de suite vérifier si ça colle. Ça colle super bien. J'ai les mains... Ouais, voilà. Je me suis passé de la pommade sur les mains, du coup j'ai les mains un petit peu grasses. Du coup c'est pas le meilleur moment pour tester si ça colle. Mais bon, on voit bien, ça colle super bien. Ouais, il n'y a aucun problème. Donc c'est une toile en diamant rond. Il y a le toolkit de base. Je l'adore, je la trouve trop mignonne. Je vais vous la montrer de plus près. Je vais mettre la lumière. Comme d'habitude, je vais la faire défiler. Elle est super jolie. J'adore ces deux petits personnages, Stitch et sa copine. Il me semble qu'elle s'appelle Angel. Je suis pas vraiment sûre parce que je connais plus ce Stitch. Mais... Honnêtement, j'ai jamais vu le dessin animé, mais j'adore leur bouille, j'adore leur, j'adore ces personnages-là, ils sont super mignons. Alors, au niveau des diamants, comme je vous ai dit, il y a 23 couleurs. C'est que des couleurs que j'adore, du rose, du mauve... des blancs. Alors, on va commencer par quoi? Hop, voilà. Alors là, on a un beau rose pastel. Un très beau mauve. Du noir. Là, c'est orange. Orange pâle. Là, il y a deux styles de gris. C'est du gris chaud. Ici, on a du beige, du vert pastel, un rose mauve. Là, on a deux beaux roses. Là, c'est du gris. Gris clair. On a deux roses. Rose très pâle. Ici, on a un... C'est gris bleu, gris vert, ici. Du gris vert. Là, on a plusieurs styles de rose, vous voyez. Forcément, pour le personnage. Ensuite, les dernières couleurs, ce sera certainement plus pour le fond. On a du rose pâle encore. Ici, c'est un blanc, mais c'est pas vraiment blanc. Ici, on a couleur ocre, marron, ocre, enfin ouais. Du vieux rose, et là, on a 4 sachets de blanc. Il va être super agréable à faire parce que c'est que des couleurs claires. Et ça, c'est top.
Je vous le montre une dernière fois. Alors cette toile, du coup, vous pouvez la retrouver sur le site au prix de 5,79 $. Donc c'est quand même pas cher pour une 30x40. Je tiens quand même à le préciser, c'est quand même des tarifs qui sont vraiment très attractifs. Alors, je vais ranger ça après. Ensuite, une toile partielle. Alors, c'est une toile avec un personnage. Alors, je sais pas, je vais pas inventer, hein, je. Alors moi je vois que c'est Venise derrière, donc c'est un personnage vénitien, mais je ne connais pas du tout, mais elle a l'air super jolie. Il y a beaucoup de diamants à poser, donc c'est une 30x40, il y a 11 couleurs, on a le toolkit, on va vérifier si ça colle. Ouais, mes mains ont eu le temps de sécher, du coup, on voit mieux si ça colle. Et vous voyez, il y a un petit cadre autour. Donc ça, ça peut être super. Vous voyez, il y a un cadre. Et ça, c'est pas sur toute l'étoile. Donc ça peut être sympa, du coup, de couper et... Et je sais pas, après, dans un porte-vue, ça peut faire super joli, du coup. Il n'y a même pas besoin de mettre de washi tape autour. Il y a déjà le cadre qui est prédessiné, donc c'est super. Donc on va regarder les diamants. Je vais vous montrer quand même de près. Je ne vous ai pas montré pour l'autre toile, mais je vais vous montrer pour celle-ci. Au niveau des symboles. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a aucun souci au niveau de l'impression. J'aime bien vous montrer, hein, c'est important de voir si, si les symboles, les lettres, etc. c'est vraiment bien écrit, enfin bien imprimé. C'est quand même beaucoup plus agréable du coup pour poser les diamants après. Alors on a dit 11 couleurs. Et on va voir ça tout de suite. Oh, on a un beau panel de couleurs. Alors, il y a des strass bleus, rouges, orange, un autre bleu plus clair, plus vif, il est vraiment très beau. Du beau jaune. Là, on a des AB jaunes. C'est bien des AB, hein. Je ne sais pas si ça se verra, mais c'est bien des AB. Ici, on a des diamants ronds. En or, super joli, des diamants ronds blanc nacré, là pareil on a des diamants ronds nacrés un peu plus gros, des gouttes rouges et des gouttes un peu plus grosses, c'est un peu la même couleur qu'on a vu en diamant tout à l'heure, c'est du gris vert, j'aime pas, vous voyez si gris vert quoi, vert très pâle. On a un beau panel de couleurs, j'aime beaucoup. Elle va être super cette toile. Donc je vous la fais défiler. Alors attendez, parce que ma lumière, voilà. Avec les gants à diamanter aussi, ça va être super beau. Ouais, il va vraiment être beau celui-ci. J'imagine que ici, ça va être les perles nacrées blanches. Ça va être magnifique. Et les diamants ronds en or, je ne sais pas où est-ce qu'il faut les poser. Ah si, c'est sur le costume. On a plusieurs endroits sur le costume, ça doit être là. Ici aussi, peut-être. Non.
Je sais pas, on verra bien. Donc cette toile, vous pouvez la retrouver du coup au prix de 5,79$, pareil, le même prix. Et enfin, toujours dans les toiles partielles, j'ai choisi une plus petite, mais que je trouvais très très jolie sur le site quand je l'ai vue. On a le toolkit. Alors du coup, c'est une 30 par 30, il y a quand même 17 couleurs, c'est quand même plutôt pas mal. Et sur le site, elle m'a vraiment fait de l'œil celle-ci. Ça colle super bien, je vais vous montrer de près. Sur fond noir en plus, elle va vraiment ressortir. Une fois qu'elle sera diamantée, ça va être magique. On va regarder les diamants. Ouais, elle est vraiment super jolie. Alors si je trouve, comment on l'ouvre? Alors, on y va. Alors on a des strass rose pâle, des strass argentés, des ronds argentés de moyenne taille. Là on a des ronds argentés de petite taille, des ronds roses moyens, des ronds roses petits. Là on a des beaux ronds, c'est pas nacré mais presque. Ici on a encore des ronds roses pâles un peu plus petits. Là on a deux gros ronds, donc ça doit être pour le centre, il en faut un seul, c'est pour ça qu'il n'y en a que deux. Ici on a des diamants ovales roses, ici on a des toutes petites gouttes argentées, des gouttes roses, alors celles-là je les adore, c'est un très beau rose avec des reflets sur les diamants. Des gouttes couleur orange rouge, ça fait vraiment un bel orange feu en fait. Je sais pas si ça, bon, si ça se voit. Des gouttes de moyenne taille rose, encore des diamants ovales roses et des gouttes argentées avec des reflets multicolores. Cette toile elle va être magnifique. Elle va être super belle. Donc vous voyez, c'est bien imprimé. Attendez que je vous mette. Voilà. À la lumière, ça se voit mieux. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Donc cette toile, elle était au prix de 4,99$. Donc voilà pour cette présentation de toile de la boutique DP Clubs. Je remercie énormément la boutique d'avoir renouvelé la collaboration. J'ai trois nouvelles toiles magnifiques à faire. Et puis voilà, moi je vous mets tous les liens en barre d'infos, la boutique, les toiles si elles vous intéressent. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site parce qu'il y a vraiment des pépites. Et dans les nouveautés, là il y a vraiment des mignonneries. Mais voilà quoi, c'est super mignon. Donc voilà, moi je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao !